c'était parce que des amis s'embarquent qu'on s'est lancé. Ce qui nous tient, c'est quand même cette intention de départ. Ce qui est fort dans ce lieu, c'est justement les habitants qui le composent. La solidarité, je pense que c'est quelque chose qui nous porte tous, les 12. Tout le monde a adhéré à ce projet unanimement et très vite. Dès la première réunion, en fait, où on a lancé un peu le projet, on a senti qu'il y avait une forme d'engouement qui nous tient encore aujourd'hui. On est parti en autopromotion avec le soutien des associations. On n'a pas eu affaire à des promoteurs. Nous, on est parti en groupe de copains, un endroit où on habitait ensemble, mais surtout créer de l'activité, démultiplier notre force d'agir ensemble. Il y a une coopérative qui s'est montée, une coopérative de territoire. On a monté justement des paniers bio et locaux, donc avec différents producteurs du territoire. On accueille par exemple des centres de loisirs, ici on fait des stages nature, on fait des stages cirque, de la vannerie, l'événementiel, des concerts, théâtre. On est vraiment comme sur un petit village. On s'est rendu compte au départ de notre projet que les projets qui fonctionnaient bien, c'est quand il y avait un projet économique qui fédérait tout le monde. C'est à la fois un lieu d'habitat partagé pour des humains, pour nous, mais aussi avec des non-humains, avec l'ensemble de la biodiversité qui y vit. Cette biodiversité, elle est en lien aussi avec le territoire. On est aussi du coup dans une action avec des paysans, avec des citoyens, où on cherche à faire avancer ces questions à la fois écologiques, sociales, de coopération. Si la coopération est là, on peut vraiment faire des grandes choses. C'était un projet d'amis, donc le commun, il était là. On s'est créé une culture commune, même si on se connaissait, on a appris avec un médiateur. Depuis le début du projet, on a décidé, tous les 12, qu'on allait se réunir une fois par mois. Et c'est là que se prennent les décisions. Donc si quelqu'un manque, il n'y a pas de réunion plénière. On a appris surtout d'ailleurs à s'écouter. C'est important et fondateur pour la cohésion du groupe. La particularité de ce lieu, justement, c'est sa volonté d'accueillir. Entre autres, avait été lancée l'idée de créer un lieu de vie d'accueil pour mères-enfants. Ce projet-là, il est parti pratiquement dès la première réunion. On était deux familles d'accueil déjà. Nos amis, ils nous ont vus aussi en étant famille d'accueil et ils ont bien adhéré au projet. La confiance, c'est vraiment ce qui nous permet une audace collective. Il y a un vrai amour les uns pour les autres. Ça rayonne beaucoup pour les gens qui viennent à l'extérieur. Tout de suite, ça a été quelque chose de fort, en fait, où on a envie de revenir, on a envie de partager des temps. On a appris à travailler, à agir ensemble, à se dire les choses. Il ne peut rien nous arriver de grave tant qu'on est ensemble. On va tous dans le même sens, en fait. Je crois qu'on, maintenant, en plus, avec 5 ans de recul, on sait vraiment qu'on peut compter les uns sur les autres, il n'y a pas de souci. La confiance, elle est là, on sait.